Je m'appelle Sophie, je gère la boutique de Sophie à Ennevillers, cours du Château, depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Un petit commerce donc d'artisanat et de décoration intérieure, avec aussi également une proposition d'atelier de loisirs créatifs. Alors pour moi, l'essentiel, c'est ce qui est important dans la vie. Voilà. Donc, il a été récemment fait la distinction entre les commerces essentiels et non essentiels. Alors, évidemment, à mon sens, il y a des choses plus essentielles que d'autres. Et qu'évidemment, je comprends bien que mon commerce n'est pas forcément essentiel au sens propre du terme. Toutefois, pour moi, je pense qu'il est essentiel puisque il m'aide à vivre simplement. Alors pour moi l'essentiel, effectivement, enfin voilà, le fait que mon magasin ait été considéré comme non essentiel a été difficile dans un premier temps à accepter pour moi, puisque ça faisait tout juste un mois que j'étais là. Du coup, c'est le premier confinement, comme dit, a été très très compliqué niveau financier. Parce que bah, j'avais quasiment plus de rentrée d'argent puisque j'étais une toute jeune entreprise qu'on ne connaissait pas. Et voilà, le deuxième confinement a été un petit peu plus gérable, on va dire, parce que bah voilà, j'ai eu une petite période du coup pardon. Et les gens voilà, ont commencé à connaître le magasin. Il est évident aussi que Internet fait des miracles sur ce côté-là. Du coup, c'est vrai que le deuxième confinement a été un petit peu plus bénéfique et j'ai moins senti la notion de non essentiel puisque les gens étaient quand même très friands d'achats de décorations pour la période de fête. L'économie est à mon sens essentielle ben, pour tous. Enfin, voilà, chacun d'entre nous a besoin de l'économie pour vivre. Chacun de nous fait vivre l'économie en travaillant. Donc, j'estime que c'est quelque chose de nécessaire pour tout le monde. D'où, voilà, ma difficulté à comprendre le non essentiel parfois. Alors l'économie se développe sur un modèle de croissance, oui. En fait, j'ai envie de dire que c'est un cercle un petit peu vertueux. On a besoin de l'économie pour croître et on a besoin de croître pour l'économie, en fait. C'est donc pour moi, c'est ces deux termes qui sont liés. Et je dirais que oui, on a besoin d'économie. Pour la croissance, enfin, le développement du pays, en fait. La conciliation des besoins économiques et de l'exigence écologique, enfin, c'est une notion les deux notions sont importantes, en fait. L'écologie aujourd'hui reprend, enfin, je trouve, reprend une place un petit peu plus importante, celle qu'on a mis un petit peu de côté au profit de l'économie. Je pense vraiment que l'économie, enfin, pour faire vivre l'économie, on n'a pas besoin de sacrifier l'écologie, en fait. Et aujourd'hui, il y a une réelle urgence au niveau de l'écologie. Et je pense que, en fait, c'est juste une manière de fonctionner à laquelle on doit se recalquer. Je pense que nos anciens étaient assez ouverts là-dessus. Enfin, voilà, je veux dire, je pense qu'ils avaient les pratiques en corrélation avec la nature. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché économique prend une ampleur. Enfin, on est dans des sociétés un petit peu capitalistes, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On met souvent le profit
avant ben, l'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de refaire la balance inverse, en fait. Dans ma manière de travailler, elle est présente, puisque je rachète, par exemple, des meubles à bas prix que je retape, du coup, pour éviter justement cette tendance de la société de consommation à jeter les choses et à racheter des nouvelles, alors qu'on peut se resservir de ce qui existe déjà. Donc, par rapport à la conjoncture actuelle, l'essentiel a pris sens pour beaucoup. Et je pense qu'on a besoin justement de revenir à ces choses essentielles, de considérer des lieux comme non essentiels. Je pense que c'est assez compliqué parce que chacun doit trouver son essentiel. Et je vois ici aussi, depuis le retour enfin, du deuxième confinement, que les gens sont très très en demande de choses à faire en fait, et les ateliers prennent aujourd'hui une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas forcément, et qui bah, du coup montre en fait le besoin des gens de se retrouver et de faire des choses.